Salam alaikum Mazrouf Laoun. Bonsoir. Je vous avais parlé de cette lèpre rampante de la banalisation il y a quelques jours, de ces phénomènes exorbitants, de ces abus hallucinants, de ces insultes à l'intelligence et à la dignité collective qui finissent, à force d'être récurrents, nombreux, envahissants, d'entrer en normalité, si je peux dire, de devenir normaux, banal. Regardez cette histoire de Shakib Khalil, par exemple. Voyez comment ces gens réussissent à banaliser les outrances les plus hurlantes. Personne, personne n'aurait cru, il y a quelques semaines seulement, que Shakib Khalil pourrait un jour non seulement revenir au pays par la grande porte, accueilli par un haut fonctionnaire, un wali en l'occurrence, avec tous les honneurs officiels dus à une personnalité de premier plan au salon d'honneur de l'aéroport. Mais plus encore, il a été littéralement blanchi par les plus importants barons du régime alors que la justice l'avait officiellement interpellé, voire lancer contre lui un mandat d'arrêt national, puis international. Et même qu'elle s'était permis le luxe de faire parler le procureur général en direct à la télévision publique, pour étaler sur la scène publique tous les crimes économiques qu'il avait commis. Et plus encore, les mêmes plus grands barons du régime disent de lui, de Shakib Khalil, qu'il est le meilleur ministre que le pays ait jamais connu depuis l'indépendance. Plus encore, les mêmes multiplient même par deux les ressources financières qui ont été engrangées par le pays durant sa présence à la tête du secteur de l'énergie, puisque Sadani nous dit que grâce à lui, l'Algérie a engrangé, pendant le temps qu'il était ministre et PDG de Sonatrach, 1500 milliards de dollars. Il l'a dit. Plus encore, les mêmes barons nous disent, ils nous disent même, que ce monsieur pourrait très bien faire un très bon Premier ministre. Et plus encore, presque plus personne ne s'intéresse au cas Shakib. Et c'est là le plus grave. Il a été estampillé par la banalisation. Ça y est, c'est fini. Rangé, classé, oublié, normalisé, heavy, banalisation, wallah battalna, yabougal. C'est cela qui distingue désormais ce régime. Il a compris qu'il lui suffit d'oser, d'oser n'importe quoi, et même d'oser maintenant ou jamais. C'est le moment. Parce que la société ne réagit plus, parce que la classe dite politique, lorsqu'elle ne fait pas sa sieste digestive, passe son temps à sasser le vent. Parce que l'université n'existe plus, parce que l'intelligentsia rase les murs quand elle ne s'exile pas, parce que la société civile a été presque totalement neutralisée, anesthésiée. Pourtant, parce que rien n'est simple et rien n'est aussi facile que cela paraît. Pourtant, ici et là, des volontés persistent dans une aspiration farouche de changement, de salut public, de dénonciation d'un assassinat annoncé de toute la nation. Au moment où des lézardes commencent à apparaître dans le premier cercle même du pouvoir, des initiatives se manifestent pour tenter le très difficile pari de briser la gangue qui calcifie la conscience politique collective. Ce qu'il est désormais convenu de désigner comme étant l'opposition au régime, la CLTD, même si elle n'est pas constituée que de mouvements et de personnalités au-dessus de tout soupçon, a réussi, quoi qu'on dise, quoi qu'on en dise, malgré les problèmes nombreux et variés qui lui ont été causés par le régime, jusqu'à
vouloir la contrer en organisant pour la même journée un méga meeting du FLN, la CLTD a réussi à imposer sa rencontre. Certainement la plus étoffée et la plus importante jamais tenue jusqu'à ce jour, jusqu'à demain. On ne sait pas encore ce qui va en sortir, ni si le régime ne réussira pas à la faire imploser par ses agents qui sont déjà dans les murs. Mais elle aura eu le mérite d'avoir osé. Et par les temps qui courent, ce n'est pas peu de choses, croyez-moi, à plus forte raison que la société civile, celle dont on a dit qu'elle a été calcifiée, transformée en statue de sel, est en train d'investir le terrain, d'aller dans la rue, d'occuper l'espace médiatique. C'est le cas de cette marche des enseignants contractuels et vacataires de Bjaïa qu'ils ont entrepris. Une marche de Bjaïa jusqu'à Alger. Une marche. Parmi elles, une professeure qu'il faut saluer qui était en chaise roulante. Cette marche a été décidée après la très dure répression des forces anti-émeutes contre des enseignants qui s'étaient rassemblés pacifiquement devant la présidence de la République. La protestation est donc montée d'un cran et de partout. Des résistances commencent à se faire jour. La gang se craquelle de partout. Nous ne pouvons pas encore dire que les forces vives de la société ont investi l'espace public. Mais des signes sont là, même s'ils sont à peine frémissants, qui laissent espérer un éveil de la conscience politique. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que le régime a décidé d'organiser cette grosse rencontre du FLN, le parti du système, comme tout un chacun le sait, pour tenter de parasiter la conférence de la coordination pour la liberté et la transition démocratique. C'est bien que tout a été entrepris pour eux. C'est bien pour ça que tout a été entrepris pour casser l'initiative d'inviter des représentants de Rachad, du MLJS et d'autres personnalités en tant qu'observateurs. Nous verrons donc si le régime réussira à casser cette dynamique de l'opposition. Nous saurons très bientôt si celle-ci sera capable, si ce n'est de sortir avec une vraie feuille de route et un programme d'action, du moins avec le consensus minimal d'unir de façon sérieuse les rangs de tous les opposants au régime. Nous verrons. Aujourd'hui. Le courrier d'Algérie. La classe politique s'agite, deux meetings diamétralement opposés, demain, par FG. Algérie1.com. Divergence de fond au sein des partis de l'opposition à une semaine de la conférence de Zeralda, par Khidr Ali. Le soir d'Algérie, pour sa seconde conférence du beau monde attendu chez l'opposition, par MK. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Ali Benouari, président de Nida Al-Watan. Abdelwakil Blam, journaliste, qui se trouve à Alger lui aussi. Sofiane Gilali, PDG de Gil Jadid à Alger aussi. Anwar Haddam, président du MLJS qui est à Washington. Nous allons commencer par Ali Benouari. Ali Benouari, vous êtes avec nous. Oui, bonjour Sidi Ameldine, je salue vos invités au passage. Merci Ali Benouari, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes à Alger, vous allez donc participer demain à cette fameuse rencontre. Essayez de nous en dire plus sur l'ambiance, sur ce qui est en train de se préparer. Oui, c'est une réunion importante, comme vous l'avez dit. Je ne dirais pas que c'est la réunion de la dernière chance, mais en tout cas une occasion unique. Pensez donc que jamais l'opposition algérienne ne s'est réunie de façon aussi large en Algérie même. Donc l'événement est à saluer en lui-même. Et puis je pense que les interventions des uns et des autres montreront la détermination du peuple algérien, puisque nous nous considérons comme ses représentants quelque part. La détermination du peuple algérien à en finir une fois pour toutes avec ce régime et de manière pacifique. Voilà pour résumer un peu le,
L'ambiance n'est pas mauvaise, il n'y a pas les tensions dont parle la presse sont des tensions purement, j'allais dire, journalistiques, en tout cas pour l'instant, on verra, comme vous l'avez dit, si c'est plus profond que ça, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas eu de divergence de point de vue, même pas au niveau des invités. Il y a eu bien sûr des remarques positives, des remarques négatives, mais dans l'ensemble, le résultat est là. Nous avons réussi enfin à atteindre l'objectif premier, en tout cas celui que je défends depuis longtemps, c'est-à-dire élargissement et unification de toutes les forces de l'opposition. Ben justement, Ali Benouali, je vais vous arrêter là pour vous poser une question précise. Donc on a entendu dire, il n'y a rien eu de vraiment confirmatif, si je peux dire, concernant l'invitation du MLJS dont Anwar Haddami est le président, de Rachad et d'autres personnalités. On nous a dit qu'elles étaient invitées en tant qu'observateurs, puis que l'invitation aurait été annulée parce qu'il y aurait eu des pressions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce que je peux vous dire simplement, c'est que les invités tous, quels qu'ils soient, à part les 16 membres de l'ISCO, sont des invités qui appartiennent à toutes les sensibilités politiques algériennes, qu'il s'agisse de Rachad, que vous avez signé, ou d'autres. C'est pour ça que l'événement en lui-même est à saluer. Je préfère ne pas m'attarder sur les réticences de certains quant à cette ouverture. Mais après tout, il y a bien eu des réticences quant à ma propre participation. Sofiane Djilali, qui nous écoute, est très bien placée pour le savoir. Et puis, je crois qu'il y a un mot important que j'ai envie de souligner à cet égard. C'est que si l'opposition se met à exclure, quelle serait la différence entre elle et le pouvoir? Et je crois que ce message a été très bien compris par toutes les forces d'opposition. Et donc, le régime a fait chou blanc. Chaque fois qu'il a essayé, par ses pions internes, je dirais, de caporaliser en quelque sorte le mouvement, il n'a pas réussi, il a échoué. Restez avec nous, Ali Benouari. Anwar Haddam, vous êtes avec nous en Skype depuis Washington. Vous êtes président du MLJS, donc. Oui. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Anwar Haddam, finalement, votre mouvement a été invité pour assister en tant qu'observateur, en même temps que d'autres mouvements comme Rachad, comme d'autres dont on n'a pas la liste malheureusement, et d'autres personnalités, nous dit-on. Alors finalement, l'invitation a été maintenue? Premièrement, on n'a rien reçu. Il faut dire que notre mouvement, Hriya al-Adal al-Istimaïa, nous avons toujours œuvré pour essayer d'arriver à un consensus national sur la solution de la crise, autour de la crise qui sévit notre pays. Et c'est pour cette raison que nous avons fait le premier pas, nous avons demandé depuis longtemps d'adhérer, de joindre actuellement l'ICSO, l'instance de consultation de suivi, et de participer à ces réunions. Et jusqu'à présent, on n'a pas reçu d'invitation officielle, hein, il faut le dire clairement. Et ceci, selon nos informations, je dirais de sources sûres, c'est qu'il y a encore des réticences au sein de cette instance, au sein des différents sous-groupes de cette instance, qui malheureusement sont encore, se basent encore sur des fausses informations qu'ils tirent des archives des années 90, des éradicateurs, etc. Mais nous pensons, nous devrons, parce qu'il ne s'agit pas d'une seule réunion, parce que ce qui nous intéresse, et c'est ça, comme l'a dit Sibéry, ce qui nous intéresse, c'est justement d'élargir et d'inclure toute l'opposition afin de pouvoir peser sur le rapport de force qui nous permettrait d'arriver à une solution, parce que une solution qui ne peut être atteinte sans la participation du pouvoir. C'est ça le dilemme. Vous souhaiteriez que le pouvoir soit associé à cette conférence? Il faut être pour une solution politique et pacifique. On ne peut pas arriver à une solution sans le pouvoir. Mais comment
agir justement afin que le rapport de force nous permettrait à avoir le pouvoir sur la table des négociations. Parce que maintenant, le pouvoir pense qu'il est super grand, etc. Donc, il ne veut pas à une solution qui mènera vers un État démocratique, qui mènera vers un système de gouvernance démocratique, parce qu'ils perdront leurs intérêts. Ils pensent comme ça. Donc, mais notre travail pour nous au sein du mouvement de Hria ou l'Adala l'Ijtimaïya, c'est d'essayer d'avoir justement une coalition large dans toutes les tendances confondues, afin de peser sur le pouvoir sur le rapport de force. On ne peut pas aller séparément, comme certains sont malheureusement en train de le faire. Chacun veut essayer d'avoir des relations avec le pouvoir, etc. Non, nous prenons à ce que l'opposition s'agrandisse, elle fortifie l'IXO, et ensemble, on pourra, après avoir élaboré des propositions qui nous permettraient effectivement de sortir de cette crise. C'est une crise qui est vraiment très grave. Et avec ça, le pouvoir n'aura pas de choix. Il devrait accepter à s'asseoir pour une véritable Et solution. si, euh, Donc, si, euh, si vous participez finalement à cette rencontre comme observateur, est-ce que vous allez demander à être membre à part entière de la CLTD, de la coordination? il faut être clair, nous étions prêts. Nous avions, évidemment, moi-même, je ne peux pas rentrer parce que je suis encore à ma tour, mais je me mets nous à mon Baladi. Notre mouvement qui est à Alger, nous avons préparé une délégation avec le vice-président du MLGS, docteur Lelali. Mais jusqu'à maintenant, on n'est pas partant parce qu'on n'a pas eu d'invitation officielle. Donc, mais ça sera pour les prochains, c'est du courant de l'année. Comme je l'ai dit, le travail, ce n'est pas ces réunions uniquement, mais c'est un travail de longue haleine, un travail durant toute l'année. C'est ce qu'on veut. On veut Restez avec effectivement nous, rester. Alors Adam. Restez avec nous. Nous allons revenir à vous dans un moment. Soufiane Gilali, merci d'être avec nous. Soufiane Gilali de Gil Jadid. Est-ce que Soufiane Allô? Gilali est avec nous? Allô? Soufiane Gilali? Non? Il y a un problème, il me semble. Je suis en train d'écouter, d'entendre une voix féminine. On va essayer de revenir. Abdelwakil Blam, journaliste à Alger, merci d'être avec nous, Abdelwakil. Bonjour, monsieur Jamel. Moi, je vous remercie. Merci, Abdelwakil, merci d'être avec nous. Alors, Abdelwakil, donc. Disons un compte rendu de ce qui est en train de se faire, de se préparer, les impressions, les premières impressions, vos premières impressions. Par rapport à la conférence de demain, comme l'a dit monsieur Benoari ainsi que monsieur Marabem, que je salue. Tout est positif, on va dire, tout est dans le compte toujours positif de cette opposition qui essaye de se réunir depuis quand même presque 3 mois que les efforts sont là, les réunions hebdomadaires, les préparatifs pour assurer cette rencontre de demain, appelée conférence de l'opposition ou de la transition démocratique. S'il n'y a aucun point positif à relever sur la conférence de demain, il y a au moins cette réunion qui a toujours fait et qui fait, qui au moins qui exprime l'union qui est toujours de cette position depuis au moins le 10 juin 2014, c'est-à-dire la première rencontre de Mazafran, appelée Mazafran 1. Cette opposition réunie sous la coupole de la CNLDP ou de l'ISCO, le pouvoir n'a pas encore réussi, à mon sens, jusqu'ici, au moins à la casser, à la briser, comme il a toujours essayé de faire et comme il a toujours œuvré et fait avec les partis politiques. Cela est un point très positif. On est là,
on se rencontre, on s'entend, on s'échange, on échange, on parle. Il y a des divergences, bien sûr, il y a des malentendus parfois. Il y a toujours, à la fin, un aboutissement de consensus autour des questions en moins majeures sur lesquelles le débat se déroule. Pour la conférence de demain, comme vous l'avez souligné dans votre mot du début, il y a, comme vous le savez, demain, en parallèle de cette rencontre, qui a été empêché à maintes reprises de se tenir dans des lieux bien déterminés que l'opposition, que la CFDT a demandé, en l'occurrence aussi cette coupole du 15 juillet que l'ISCO a demandé comme lieu de déroulement de cette conférence et que le pouvoir a refusé. Ces partis, entre guillemets, appelés partis d'allégeance ou partis du pouvoir ou partis du régime, qui essaieront demain de faire un jeu de gamin pour bruiter, pour banaliser, pour brouiller un petit peu les ondes de cette, du message. Mais justement, Abdelwakil, justement, oui. Justement, vous en tant que journaliste, qui connaissez bien un peu ce genre de pratique, de méthode, il y a donc le FLN, le régime, a organisé pour la même journée une méga rencontre du FLN, dans la salle, la coupole qui a été demandée à maintes reprises par la CLTD mais qui ne l'a pas obtenue. Et donc, d'un côté, nous allons avoir une grosse rencontre organisée avec de très gros moyens par le FLN. Le FLN qui est le parti du régime, comme tout un chacun le sait, je n'invente rien. Et de l'autre côté, à la CLTD, qui est composée de diverses formations politiques et de personnalités qui, étant ce qu'elles sont de toutes les façons, représentent un tant soit peu, plus ou moins, le peuple. Or, vous, en tant que journaliste, à votre avis, est-ce que le gros des médias va aller vers la coupole pour couvrir cette fameuse rencontre du FLN, ou est-ce qu'il va aller vers la CLTD, le gros des médias, le gros des journaux, le gros des télévisions, sachant que les médias en Algérie ont intérêt à filer droit, sinon à la place de la carotte, c'est le bâton. Alors donc, je vous laisse répondre, Abdelwakil. À prendre comme témoin ce qui s'est passé aujourd'hui avec la conférence de presse tenue par M. Sadani, et qui a été pour la première fois, je pense, dans l'histoire de l'Algérie, en moins plurielle, diffusé sur les 48 radios locales de l'Algérie, y compris les autres chaînes de radio. Ça n'a jamais eu lieu, on n'a jamais entendu parler d'une conférence d'un chef de parti là où on supprime, on arrête les programmes locaux des radios locales et on retransmet en parallèle la conférence de presse de M. Sadani. Ça me permettra de dire que demain, une chose que dont on a l'habitude, une télévision comme Mahal va faire la transmission directe, cela est sûr. Le gros des médias publics, c'est sûr qu'il va se pencher beaucoup plus sur la rencontre de la coupole que sur la rencontre de l'opposition, mais il va envoyer quand même des journalistes pour couvrir. La télévision publique, ça c'est sûr qu'elle va quand même se pencher et faire beaucoup de bruit autour de l'arrangement de la coupole, sur ses journaux télévisés, ainsi que sur ses émissions spécialisées, des transmissions directes. Pour les journaux, je pense qu'ils vont faire un peu dans l'équilibre, ils vont envoyer des journalistes. Le lendemain matin, on va lire sur les uns et sur les autres ce qui a eu lieu. Ça c'est sûr, mais par rapport à, il y a une chaîne qui est Chaîne Nahar, on l'a nommée, elle a toujours fait dans ça. Demain, ce sera la transmission directe, et ils savent que cette chaîne, malheureusement, elle est un peu suivie dans les quartiers populaires, dans les villages, pour dire aux gens qu'il n'y a pas un événement qui s'appelle l'opposition qui se réunit, ni la conférence de Massal Hamdeux, mais il y a une rencontre, un méga meeting, méga rencontre. Donc, pour laquelle ils ont mobilisé des 1541 communes. Ils ont même mobilisé les bus de l'État. Ils ont mis le gros paquet pour emmener les jeunes. Comme d'habitude, Abdelwakil, comme d'habitude, restez avec nous. Je reviens à vous dans un petit moment. Nous avons Sofiane Gilali que nous remercions d'être avec nous. Sofiane Gilali.
Sofiane Djilali est avec nous. Il y a un problème de téléphone. Nous allons rappeler dans un petit moment pour voir, en espérant que ça sera réglé d'ici là. Alors, nous revenons à Anwar, Ali Benouari. On a commencé par Ali Benouari. Ali Benouari. Allô. Ali Benouari, je parlais avec Abdelwakil Blam, journaliste qui suit de très très près. Il est connu, Abdelwakil, pour suivre de très près ce genre de manifestations qui tentent de faire des analyses justement de ce type. À votre avis, demain, je vous repose la même question que celle que j'ai posée à Abdelwakil Blam avant d'en arriver à d'autres questions. Demain, la couverture médiatique, y compris celle des télévisions privées, 45 chaînes privées, est-ce qu'elles vont couvrir plus votre rencontre ou celle de la coupole du FLN, sachant que le régime dispose de choses dont vous ne disposez pas vous-même, c'est-à-dire la carotte et le bâton? Oui, je pense que la réponse est dans la question. Je suis plutôt d'accord avec Abdelwakil Blam. Sinon, pourquoi le FLN aurait-il organisé sa réunion le même jour et au même moment? Donc je pense que la couverture médiatique sera essentiellement en faveur de la réunion du FLN. Mais je pense qu'il y aura une très bonne couverture quand même demain pour la réunion de l'opposition. À votre avis, vous pensez pouvoir aller vers un vrai consensus, un consensus qui se tienne? Vous pensez pouvoir arriver à prendre des décisions, à constituer un front commun? Là, ce que je note pour ma part, c'est que l'important a été d'abord que le maximum de sensibilité politique, de personnalité, de parti politique accepte de venir à cette réunion. C'était le plus important et c'est le plus important à mon avis. C'est-à-dire, symboliquement, nous sommes unis, montrer que nous avons que nous sommes unis autour de l'essentiel qui a été décrit dans la plateforme de Mazafran, qui a été réitéré maintes fois par les déclarations de l'ISCO. Rappelez-vous les conditions posées par l'ISCO à la sortie de crise, c'est-à-dire l'instance nationale indépendante chargée des élections. Tout cela fait consensus. Pour le reste, je crois que la réunion de demain sera une symboliquement très 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 importante en raison de l'extrême diversité des sensibilités qui sont représentées. Nous allons nous écouter, chacun présentera sa façon de voir les choses, donnera son avis sur les voies de sortie de crise telles que chacun les entrevoit, mais il y a la plateforme de Mazafran qui nous unit de manière très claire. Les objectifs sont affichés, les moyens de sortie de crise sont affichés. Bien entendu, il faudra affiner tout cela. Chacun fera parler, laissera entendre sa différence, notamment sur les moyens pratiques ou sur la façon dont nous devons procéder lors de nos prochaines réunions, c'est-à-dire sur le plan concret, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que nous nous sommes entendus sur l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Justement, à ce sujet, Ali Benouari, est-ce que vous avez déjà convenu d'un programme, de questions dont vous allez discuter, d'un objectif que vous voudriez atteindre ensemble, ou est-ce que vous y allez pour voir ce pourquoi vous êtes là, quoi? Vous y allez pour voir de quoi vous allez décider? Pour ma part, pour ce qui concerne Nidin Louattan, et partageant les vues de l'ISCO, puisque nous en sommes membres, je saisirai l'occasion pour dire c'est très bien de se réunir. C'est une première historique. Depuis l'indépendance, jamais nous n'avons eu un tel aréopage, une réunion aussi élargie. Et en Algérie, il faut être fier de ce que nous sommes en train de faire. Parce que cette réunion ne se tient pas dans une capitale occidentale. Elle ne se tient pas à l'étranger, elle se tient dans notre pays. Nous allons également afficher, nous sommes fiers aussi d'afficher que nous avons tous le même langage, c'est-à-dire aller vers une transition pacifique.
Enfin, pour ma part, je dirais, pour répondre à la remarque de CNDM, je crois que le pouvoir est autiste. Il a maintes fois réitéré son refus d'engager un dialogue avec l'opposition. Donc c'est peine perdue que de tendre la main à une opposition qui n'a qu'un seul objectif. Salam alaikum. Il y a une interférence téléphonique. Restez avec nous, Ali Benouari. Je reviendrai à vous pour discuter justement de cette question de la présence du pouvoir souhaité par Anwar Haddam. Nous recevons à présent Sien Gilali. J'espère que la communication est bonne maintenant. Bonsoir. Oui, c'est Jamal. Très bien. Je pense qu'on va finir par y arriver. Oui, il y a des interférences. On me dit à la régie technique qu'il y a des interférences, des voix de femmes qui entrent, qui sortent. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est pour ça que sur ma page Facebook, je n'ai pas donné la liste des invités. Parce que d'habitude, quand je le fais, il y a des soucis dans le téléphone. Alors, on ne donne plus la liste de nos invités avant l'émission. Alors, très bien. Voilà. Sofiane Gilali, d'abord, votre impression, votre déclaration générale sur cette conférence avant que je ne vous pose des questions plus précises. Écoutez, cette deuxième conférence est la preuve qu'il y a une volonté au sein de l'opposition d'avancer, de continuer à faire pression sur ce régime. D'autant plus qu'on voit un grave dérapage ces derniers temps où il n'y a plus aucune limite qui soit respectée. Il n'y a plus de morale publique, il n'y a plus d'État au sens classique du terme, il n'y a plus de respect d'institution, il n'y a plus rien. Il y a simplement un nom d'une personne que plus personne ne connaît, plus personne n'entend parler. Ça fait des années que M. Bouteflika n'a pas prononcé un mot. Mais voilà qu'on voit de toutes les turpitudes autour de lui qui s'amplifient. Les derniers épisodes de M. Chakib Khalil et de M. Saadani, je pense, feraient l'affaire de beaucoup de films et d'épisodes de séries noires. Alors, sinon, pour cette nouvelle édition de la CLTD, vous pensez qu'elle va être plus efficace, qu'elle va pouvoir sortir avec quelque chose, que les participants qui y sont et les observateurs qui y ont été invités pourraient, j'allais dire, accoucher de quelque chose de nouveau, de prometteur, de concret? Pour le moment, on ne peut rien garantir, sauf qu'une chose est importante, c'est que la première fois depuis très longtemps, l'opposition a pu créer au moins un cadre général de discussion. On a fait briser des cloisons et j'entendais et j'ai apprécié les propos de vos invités tout à l'heure. Les uns et les autres ont tous défendu l'idée qu'il fallait travailler avec le temps. Il est fini maintenant le temps où on arrivait très vite, où on voulait arriver très vite à un résultat. Il faut savoir construire maintenant et bâtir. Il est vrai que certains peuvent se sentir exclus et de fait, ils ne participent pas à la réunion. Mais je pense que ce n'est que des étapes à franchir. Il faut que les choses mûrissent, que les rapports se mettent en confiance pour qu'on arrive à des objectifs communs. Et ça, c'est important. Nous sommes sur cette voie-là. Maintenant, est-ce que nous avons atteint tous nos objectifs? Je crois que personne n'attend que je le dise. Bien entendu, le régime, le pouvoir est toujours là, avec tous ses excès, avec toutes ses turpitudes, avec toute son insolence. Et l'opposition n'a pas encore tous les moyens de faire face, n'a pas encore tous les moyens, peut-être physiques, matériels, mais n'a pas encore tous les moyens politiques et même moraux. Bien sûr que dans l'opposition, il y a aussi quelques réticences, il y a des gens qui traînent un peu des pieds, certains n'ont pas assez d'audace, et tout cela, il faut faire avec. Il faut faire avancer l'opposition en tant que telle, unifiée, au moins sur un certain nombre de questions. Nous travaillons en ce sens, c'est Ali Benouari qui est votre invité et que je salue au passage, nous travaillons ensemble, nous travaillons avec d'autres, avec Abdel Wakil Blam en tant que représentant de la société civile. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avance et on avancera le plus loin possible
en tout cas de notre côté, tous les partenaires trouveront en nous un parti politique qui veut aider et qui veut faire avancer le pays. Est-ce que vous avez accepté bien volontiers, cette invitation faite à ces nouveaux observateurs qui sont Rachad, le MLJS et d'autres personnalités? Depuis le tout début de la mise en place de l'IXO, Jill Jadid a œuvré pour élargir, ouvrir l'IXO. C'est vrai que cela posait un certain nombre de questions, essentiellement d'ordre de pratique, parce que quand vous êtes 30 autour d'une table ou vous êtes 50, les choses sont différentes, ça demande énormément de temps, de parole, etc. Mais nous avions toujours insisté pour qu'il y ait une ouverture sans exclusive. À partir du moment où ce sont des citoyens algériens qui défendent clairement leur opinion, qui ne touchent pas à la sécurité du pays, je ne vois pas pourquoi il faut les mettre de côté. Je rappelle simplement que M. Ouyahia, en tant que directeur cabinet de la présidence, a reçu M. Madani Mazrak, qui lui s'était fièrement dit qu'il avait tué de ses propres mains. Là, on parle de réconciliation nationale, alors que d'autres politiques qui n'ont jamais touché à la violence se trouvent exclus. Là, il y a quelque chose à faire très probablement, parce qu'un véritable consensus dans un état de droit où chacun doit... Ah, je crois que nous avons perdu Souyen Gilali, non? Est-ce que Souyen Gilali est avec nous? Non. Nous allons essayer de le retrouver parce qu'il y a une question à poser à tous les invités, la même question, donc je voudrais qu'ils soient avec nous. Et je reviens à Anwar Haddam. Anwar Haddam. Mm-hmm. Alors, Anwar Haddam, on vous a toujours reproché, vous et Rachad notamment, de faire de la politique depuis l'étranger. Moi, j'ai lu pour ne pas exagérer, hein, des milliers de fois des gens qui vous reprochent de faire de la politique devant l'étranger, qui vous défient, vous disent « Venez ici, faites de la politique au lieu d'aller dans la main de l'étranger, etc. » Donc, et aujourd'hui, qu'on vous invite juste en observateur pour essayer de participer un tant soit peu à une rencontre entre opposants algériens, alors c'est un tir de barrage contre vous. On ne veut pas de vous, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, très probablement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Oui, permettez-moi tout d'abord, parce que j'étais interpellé actuellement à deux reprises, donc j'aimerais bien clarifier deux points. C'est très important, ça. Je vous en prie. Ça permet d'avancer dans le débat, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Premièrement, c'est la question du pouvoir. C'est ce que je voulais élaborer dans ma première intervention. Il s'agit, les uns et les autres, d'accepter notre définition du pouvoir. Anwar Haddam, je vais vous interrompre parce qu'on vous entend très mal. On va vous appeler au téléphone et vous resterez avec nous en image pour pouvoir vous entendre clairement. Et je reviens à Abdelwakil Blam. Abdelwakil Blam. Oui. Alors, Abdelwakil, en ce moment, est-ce que ça commence à se préparer? Est-ce que les gens sont déjà sur place, en train d'installer, de se rencontrer? Est-ce que des groupes commencent à se constituer, des groupes de pression, je veux dire, ou des groupes de mouvances diverses? Ou est-ce que pour le moment, il n'y a encore rien du tout? J'ai pas compris. Votre question, c'est autour de la conférence? De la conférence, bien sûr. Est-ce que les gens commencent à se rencontrer par affinité? Est-ce qu'ils commencent par décider de ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, comment ils vont procéder? Ou est-ce que c'est encore, il n'y a rien, ils attendent de se rencontrer? Non, mais jamais, non. Vous savez, l'espace de l'ISCO est un espace d'échange et de concertation. Et le gros des documents qui va faire objet de débats et de critiques demain de par les uns et les autres sont déjà prêts. Et demain, ça va être le moment de finaliser, ça va être le moment de mûrir certains documents. Mais vous savez, la rencontre n'est qu'une journée.
et à la fin de la journée, à la fin des interventions des uns et des autres, représentants de partis politiques et de sociétés civiles et certains sommités qui sont conviés à parler, à prendre la parole demain durant la conférence, à la fin, tout le monde doit ou tout le monde fera en sorte d'être unanime autour de certains documents, de la vision futuriste que propose la CNLDP pour sortir, pour une sortie de crise pacifique du pays. C'est-à-dire demain on va pas partir de néant, on va pas commencer de rien, des documents, une plateforme au moins a été déjà fait l'objet de débats d'un mois passé ou de plus. Et les gens, les concernés sauront demain de quoi être question, les documents qui vont être soumis à débat, et pas à vote, mais à adoption, on va dire adoption, le mot peut-être est beaucoup plus approprié, pour donner aux médias, tenir ce monde, tenir l'opinion publique nationale et internationale comme témoin, dans la position que va prendre l'opposition vis-à-vis à ce pouvoir toujours hermétiquement fermé, toujours autiste, toujours il n'accepte jamais le débat, jamais le dialogue, il ne dialogue qu'avec lui-même, il ne parle pas, il ne veut pas entendre, c'est un régime sourd-muet. Il suffit de savoir qu'aujourd'hui une petite marche pacifique qui a pris départ depuis Béjaïa, composé d'un certain nombre d'enseignants contractuels, ne demandant que leur titularisation légitime et légale, a été massacrée, a été empêchée, et ils ont été peut-être arrêtés et emportés dans les commissariats de police. Ils ont été, à leur arrivée à Alger, ils ont été maltraités ? Ils ont été maltraités, à ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Ils ont été interdits d'approcher, peut-être même d'intégrer Alger, d'entrer sur Alger, d'aller demander de voir le ministère de l'Éducation pour présenter leur revendication qui est légitime et légale, et qui n'est autre qu'une titularisation après même année de travail. Et c'est leur droit d'être titularisé, d'être maintenu dans leur poste, sans refuser. Et la police était là, comme toujours d'ailleurs, pour empêcher toute action pacifique, revendicatrice de la part des citoyens. En tout cas, nous reviendrons sur cette question, je vous le promets. Sinon, Abdelwakil Blam, je vais profiter du fait que vous êtes encore ici avec nous pour vous poser une question que j'ai posée à tout le monde. Vous savez que ce genre d'initiative, généralement, ça ne peut marcher que si tout le monde se met d'accord sur une direction unique. Ça veut dire désigner des gens qui vont diriger cette sorte de front de plusieurs forces, mais qui ont besoin, ces forces, d'une direction unique pour pouvoir concentrer leur volonté et savoir vers où ils vont. Or, dans ce genre de situation, il y a aussi, malheureusement, cette histoire d'égo surdimensionné des uns et des autres. Vous pensez que ces gens vont pouvoir se mettre d'accord sur ça ? Sur le minimum consensuel, oui, M. Jamel. Il faut essayer de mettre de côté tout point de divergence et de gigantesques malentendus. Il faut essayer au moins soit de les retarder, soit de les mettre à côté. Pour revenir un petit peu sur le point de Rached et du parti de M. Noureddine, vous savez, le fait de ne pas participer demain dans la conférence, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas partie prenante dans l'ISCO. Ils sont déjà, l'ISCO, à la base, a été créé pour élargir, pour permettre à tout le monde de prendre part, d'avoir leur chaise, d'avoir leur qualité de membre à part entière dans l'ISCO et de dire leur mot. Parce qu'ils ne vont pas participer, Abdelwakil, ils ne vont pas participer demain. Je dis si, je ne sais pas, parce que je ne suis pas membre de l'organisation. Oui. Mais s'il ne participera pas demain, ce n'est pas, moi je suis sûr que ce n'est ni une question de réticence, ni une question de pression, ni encore moins une question de prise de position idéologique. Ça n'a jamais été le cas à l'ISCO. À l'ISCO, il y a toutes les divergences politiques, il y a toutes les tendances politiques. Et si je ne sais pas s'ils ne vont pas participer, ça sera un détail dans le parcours, parce que ils seront, je sais qu'une proposition d'appartenir, d'adhérer, d'intégrer l'ISCO a été faite, et qu'on devient membre à l'ISCO par unanimité, que ce soit en demandant
l'adhésion ou que quelqu'un, une autre partie tierce qui propose l'adhésion, et je pense qu'ils seront, ils sont, et que, vous savez, la conférence de demain n'est qu'un point qu'on va essayer de marquer dans notre parcours de militants et de militantisme et d'opposition et de pression sur ce pouvoir. Le chaos est loin, nous ne tentons pas, il serait un petit peu, on va dire un petit peu, je ne trouve pas le qualificatif, mais cette période est une période de marquer des points, c'est comme dans le boxe, soit on gagne par des points, soit on gagne par le chaos. Le chaos, l'opposition n'a jamais parlé de chaos, n'a jamais parlé de confrontation violente avec le pouvoir, n'a jamais parlé de, on va dire, on parle toujours de changement. Je ne sais pas si les uns et les autres comprennent ce qu'on veut par cette conférence. Ce n'est pas demain que le régime va tomber, M. Jamel. Ce n'est pas demain que tout va bousculer vers l'opposition. Demain est une journée historique. Demain sera une journée en faveur de l'opposition. Cette opposition qui a su maintenir son union, son unité, malgré les agressions médiatiques, malgré les tentatives des uns et des autres au pouvoir, par les déclarations, par tous les moyens de faire des dissidences, de casser cette opposition, elle a réussi, et tout est à son honneur de rester debout, unifié depuis le 10 juin 2014. Merci. J'espère que les uns et les autres comprendront que tout est positif et tout est à l'honneur de ce peuple, et que cette opposition-là... Merci. Merci Abdelwakil. Merci, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vais revenir à mes invités un dernier tour de micro et je leur demanderai d'être assez bref parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je reviens à Noor Adem, donc pour lui permettre de répondre, il voulait répondre à une question sur la présence du pouvoir qu'il souhaite. Et ensuite, je lui poserai cette question que je suis en train de poser à tout le monde. Je vous en prie, Noor Adem. Oui. Vous m'entendez bien maintenant ? On vous entend très bien maintenant, oui. Et de toute façon, avant que ça se coupe encore une fois, je préférais dire que, enfin, à nos téléspectateurs que nous avons envoyé une lettre aux participants à cette conférence. Ils la trouvent dans ma page Facebook ainsi que la page du mouvement. Et nous avons expliqué toute la situation et pourquoi nous voulons soutenir ces efforts pour qu'il y ait une opposition unie. Quant à la question du pouvoir, ce que je voulais dire, c'est qu'une dynamique au sein de l'opposition qui sera élargie et qui est comme un front uni élargi et avec des propositions claires pour faire sortir l'Algérie de cette situation, cela créera une dynamique au sein du pouvoir. Et ainsi, on pourra s'asseoir ensemble. Parce que c'est ça la question de fond. C'est comment agir afin de peser sur le rapport de force pour qu'il y ait consensus national pour une solution à la crise. Et sans le pouvoir en place, on ne peut pas. On ne peut pas sortir de la crise d'une manière pacifique. Très bien. Alors, ma question, je vous demanderai de répondre très brièvement. Est-ce que vous croyez en une possibilité pour cette initiative, pour cette dynamique, d'avoir une direction unique élue par l'ensemble des participants? Si, il faut être franc et honnête entre nous tous, il ne s'agit pas du nombre, mais plutôt il s'agit de ce qu'on veut faire. Parce qu'il ne faut pas, oublier ce qui s'est passé en Algérie. Il ne faut pas oublier que jusqu'à maintenant, que ceux qui sont dans le passé récent, qui ont été élus par le peuple algérien, dans sa majorité, sont encore exclus de la scène politique en Algérie. Il faut que l'opposition... Maintenant, bien sûr que c'est ça la question de fond. Il faut qu'on se pose la question. Où sont partis ces gens-là? Qu'advient-il de ces gens-là? Mais là, c'est un autre problème que vous posez, Noor Adem. C'est un autre problème. Il y avait des élus du peuple. C'est un autre problème que vous posez. Je ne disconviens pas de ce que vous dites. C'est un autre. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un problème de fond en Algérie. C'est le problème du choix du peuple algérien. Et c'est ça la question de fond. Nous sommes tous, nous essayons d'œuvrer afin d'inclure tous ces gens-là. Et une fois qu'on est tous inclus, on pourra travailler ensemble
pour un projet national. C'est ça ce qu'on veut. Donc, d'après vous, pour qu'il y ait une, d'après vous, pour qu'il y ait, il puisse y avoir une direction unique de l'opposition pour essayer de mener le pays vers une vraie transition, il faut associer tout le monde, et y compris pour nommer les choses par leur nom, y compris les leaders du FIS. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je ne parle pas des leaders. C'est ça, justement. C'est un sujet sensible. Moi, j'ai quitté le FIS depuis 2004. Le MLSJ et le MLJS est formé d'anciens membres du FIS comme d'anciens qui n'en font pas partie du FIS. Ce n'est pas une question de FIS, par se. Anouar Adem, je suis obligé de vous interrompre. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je suis obligé de vous interrompre. Vous m'excuserez, mais nous vous inviterons encore une fois pour essayer de nous dire plus ce que vous voulez dire. Je vais donner la parole d'abord à Souyane Gilali, puis à Ali Benouari pour le mot de la fin. Souyane Gilali, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en mot de la fin, s'il vous plaît, pour conclure? Souyane Gilali. Toujours un problème. Nous essayons de le retrouver avant qu'on ne finisse l'émission. Ali Benouari, vous êtes avec nous? Oui, oui. Ali Benouari, donc le mot de la fin, s'il vous plaît. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Oui, j'aimerais rajouter à tout ce qui vient d'être dit que cela fait un quart de siècle maintenant que l'Algérie a basculé dans les événements tragiques avec l'interruption du processus électoral. Un quart de siècle qui n'a amené rien de bon. On a voulu éviter l'étouffement des libertés, on l'a eu. On a voulu éviter la régression économique et sociale, on l'a eu malgré les immenses moyens dont nous avons disposé depuis. On avait voulu éviter la guerre civile et on l'a eu. Il est temps de tourner la page. Il est temps de tourner la page, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, parce que le pouvoir a toujours joué sur les divisions au sein de la société algérienne. Il avait dit à l'époque, rangez-vous derrière les chars et nous vous prémunirons contre le danger intégriste, terroriste. Et malheureusement, la quasi-totalité de ceux qui s'appelaient ou qu'on appelait les démocrates se sont rangés derrière les chars avec des résultats tragiques que nous avons vus, que je viens d'évoquer. Et bien maintenant, cette époque, pour moi, doit être terminée. Nous devons apprendre de nos leçons. C'est pour ça que je suis content de la réunion de demain. Tous ceux, qu'il s'agisse d'ex-membres du FIS ou qu'il s'agisse d'ex-membres du pouvoir, sont d'accord aujourd'hui pour tourner cette page. Et je crois que c'est ça le signe le plus important. Merci, Ali Benouari. Cette émission est donc arrivée à sa fin. Merci à mes invités. Merci à vous, mes chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Nous serons encore avec vous pour une couverture spéciale de cet événement. Nous commencerons à 9h du matin à couvrir l'événement jusqu'à la fin de la conférence. Merci d'avoir suivi cette émission. Et je fais remarquer que le téléphone de Souyane Gilali a été systématiquement parasité. Trop de hasard pour que ce soit normal. Merci beaucoup. Salama.